Iris, nous sommes en position. Où va-t-on? Votre destination est au cœur de la forteresse, dans l'aile de l'apothicaire. Vous devriez y trouver un fragment de cristal bien particulier. Avant sa transformation lumineuse, Savatoun était sous la garde des éveillés, dans une cellule de cristal de haute sécurité. A priori. Ce fragment est un morceau de son ancienne prison. Ce qui signifie qu'il était sans doute sur elle quand elle a volé la lumière. Oui. Selon mes sources, les événements menant à sa fuite sont étroitement liés au mystère qui est devant nous maintenant. Ce cristal pourrait fort bien être l'indice que nous recherchions. Ça doit être l'aile de l'apothicaire. Tout là-bas. Oui. Les salles de Savatoun sont aussi tortueuses et trompeuses que son esprit. Pour avancer, vous devez chercher les chemins les plus étranges. Iris, quelle est la situation? La gardienne est en route vers l'objet en question, commandant. Bien. Et vous êtes sûr qu'il trouvera les réponses que nous cherchons? On ne peut se permettre un nouvel échec. La reine du récif ne partage pas ces informations à la légère. Ça vient de Marasov. Vous ne l'aviez pas précisé. En fait, si. Je l'ai mentionné. À Ikora, peu avant votre interruption. Elle a reconnu qu'aucune source n'était plus fiable dans ce domaine que l'ancienne geôlière de Savatoun. Je fais confiance à Mara, mais elle ne dévoile pas assez son jeu. Si elle avait parlé de ça plus tôt, nous ne serions pas si désespérés aujourd'hui. Pour gagner contre la déesse de la ruche, de la ruse et des mensonges, mieux vaut ne pas dévoiler sa main trop tôt. Que cette épée de la ruche sera tout aussi utile que la précédente. Il ne nous manque plus qu'un verrou à casser.
La reine sorcière a repeint son royaume d'une jolie couche lumineuse. Mais les vestiges d'architecture des ténèbres se cachent toujours derrière. Et le nouveau talent de la gardienne révèle ses vestiges cachés. Oui, Ikora l'a expliqué. Pourquoi ne peut-on pas utiliser la lumière pour obtenir le même résultat? La lumière est puissante, certes. Mais dans le domaine des illusions, elle s'est avérée insuffisante. C'est l'esprit qui doit être manipulé pour voir les vérités cachées ici. Et donc, seules les ténèbres peuvent montrer la voie. Je crains seulement de découvrir où cette voie nous mènera à la fin. Trouver le chemin, il nous faut une épée et quelque chose à casser avec.
avez bien perfectionné le don qui vous a été fait par la flotte sombre, gardienne. Voyez-vous à présent, commandant, pourquoi Ikora a fait ce choix? Malgré ses doutes, elle savait que seules les ténèbres, canalisées par un esprit fort, nous mèneraient aussi loin. Je comprends. Mon problème n'est pas la décision d'Ikora, mais le fait qu'elle l'ait prise toute seule. Nous savons comment Savathun opère. Elle ne choisit pas les gens sans raison. Inutile de lui faciliter un peu plus le travail. Et Iris, je crois que vous le savez mieux que personne. Les ténèbres ne sont pas un chemin que l'on emprunte seul. Elle n'était pas seule. Mais votre argument est valable.
clairement l'aile de l'apothicaire. Bizarrement, cet endroit est encore plus suspect que les autres. Bien sûr. Vous entrez sur le terrain d'essai de la ruche lumineuse, où ont lieu les plus sinistres expériences. Savatun a probablement nommé une de ses prêtresses du Haut Conseil pour monter la garde à sa place. Trouvez-la. Le cristal ne sera pas loin. Un signe de cristal jusqu'ici. Juste des rangées de bocaux remplis de lumière. Mais souillés en quelque sorte. Savatun a toujours encouragé ses prêtresses à repousser les limites de la magie de la ruche. On dirait que ça n'a pas changé avec la lumière. C'est peut-être la preuve que la corruption est moins liée au pouvoir qu'à celui ou celle qui le canalise. Ou bien que le pouvoir a des effets secondaires permanents. Les ténèbres ont transformé Savatun et les siens, des proies devenues prédatrices. Pas les ténèbres elles-mêmes, mais une entité derrière, qui a corrompu la ruche, a conditionné son pouvoir en une tête de sang éternel,
Leur sort n'est pas inévitable. Je ne doute pas que certains puissent gérer les ténèbres avec discipline. Mais ceux qui n'en sont pas capables, ils ne sont pas les seuls à payer le prix. Un royaume inversé. Explorez toutes les directions possibles, surtout celles que vous soupçonnez le moins. Je crois que nous interrompons quelque chose. Mais où est la prêtresse qui supervise tout ça? Je crois qu'on vient de trouver la responsable. Bien. Maintenant, faites ce qu'il faut pour découvrir l'emplacement du cristal. La prêtresse vient de s'enfuir. Suivez-la. Elle se rapproche du cristal. We'll be right back.
gardienne. Voilà le cristal. Il est temps d'en finir. Le dévouement inspire le courage. Le courage inspire le sacrifice. Et le sacrifice... C'était du Sabatoun tout craché. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la preuve que nous cherchons depuis le début. L'instinct d'Ikora avait vu juste. Effectivement. Mais nous n'avons pas encore nos réponses. Allez débloquer le souvenir, gardienne. Nous verrons alors si cela résout l'affaire.